Et yo la team, j'espère que ça va, on est parti. Petite vidéo comme d'habitude. D'ailleurs, on a repris les lives, on est en train de faire du Cult of the Lamb, Stray, voilà les jeux pixel perfect qui sont sortis il y a pas longtemps. Du coup, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou en live, les gars. Je suis en live tous les jours comme d'hab sur ma chaîne. Et aussi, après cette vidéo YouTube, il y aura d'autres vidéos LOL vraiment pixel, des bonnes petites games qui arrivent, tout ça. Du coup, voilà, enjoy. Et yo la team, c'est parti. Petite game en Super Q. Ils ont une compo qui fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir, les gars. Le blanc Electrocute Ignite contre moi. Le pick a été buff. Ils ont le champion Draven en 12.15. Et nous avons un early game extrêmement low avec Evelynn, Vlad et Yone. Va falloir jouer safe en lane. J'ai envie de rejouer mid, les gars. La jungle, ça m'a trop pété les couilles. Parce que là, dans les VOD, bon, je vais encore faire des games de Shaco, mais Shaco, c'est vraiment. Enfin, c'est genre notre joke. C'est un sketch ATM, mais vraiment. Et mid, bah, les gars, mon Yone et ma Cassio, le fell. J'espère que vous les avez pas oubliés. Il fait quoi, le Zilean, là? Il se fout de ma gueule, ce chien. Attends, mais c'est quoi ça? Oh, ouais! Mais attends, mais là, le blanc va livrer la game. Non, mais attends, mais c'est quoi cette merde? Oh, les gars, titre de VOD? Le mid adverse troll la game. Attends, mais il lose là ou pas? Putain, ça me gratte la jambe là à cause de la chaleur, j'ai raté un creep. Non mais les gars, il se passe trop de trucs. Mais les gars, pourquoi en fait? Genre, what's happening? Mais attends, mais c'est mon familier. Ouais. Ah, Vlad lâche un execute dans le chat. Attends, c'est vrai qu'on a quand même Evelynn. Evelynn plus Vlad qui gagne en early. Contre Tahm Kench. Bon, Tahm Kench, sans exagérer. L'un des meilleurs champions du jeu en early game. Je sais pas ce qu'ils ont branlé en face. Mais les gars, il se passe trop de trucs là. Faut que je me concentre, je suis en 1v2. Mais c'est parfait, moi je chill. Je joue Yone de toute façon, ça chill vu les premières minutes. J'ai ma petite pote s'il faut. Petite raid pixel. Chope les creeps. Et du coup, j'ai un avantage en XP vu qu'il partage. Ah non! Oh les gars, le instant karma. Le Zilean qui utilise son passif pour donner de l'XP. J'ai mal joué là. Ouais, là par contre, ça me casse les couilles. Ah là, Electrocute Ignite, je vais me faire one tap. Les gars, j'ai le choix pour le titre de la VOD. Leur support, troll et lane contre moi au mid. OMG, what the fuck? J'espère qu'ils vont mettre bien les titres YouTube, hein. Je me fais plaisir. En mode titre TikTok. Je suis vraiment un troller, genre je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah les gars, c'est fine, hein, c'est fine. J'absorbe toute la pression là. Je vais back parce que là elle peut m'ignite et tout. En vrai, vas-y, on va juste pas mourir, on est en 1v2. Si on meurt pas, c'est déjà très bien. Je vais même prendre une pink. Bon, par contre, j'ai pas pris d'attaque speed avec Yone au premier back, c'est dramatique, mais on est juste là pour encaisser des coups. Sustain. Quoi, la chaîne me touche, mais j'étais derrière un creep. Non, mais ça m'a pété les couilles, no joke. Bon, je vais régène, mais. Non, mais là par contre, il y a eu un truc illégal. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pas de TP, donc je peux réussir à avoir un back. Putain, je suis. Ouais, en vrai ça va, j'ai second wind et les potions, vous avez vu, j'arrive à tanker son mana. J'ai bien fait de back en vrai cette lane, j'ai vraiment pas fait d'erreur sur la lane à part quand j'ai perdu mon flash. Bon après, est-ce qu'on peut parler de lane quand... Putain, je goûte du sang et tout en plus, là, il se fout de ma gueule, genre. En fait là, le truc c'est qu'elle peut level up et avoir assez de mana pour me tuer. Il est pas mauvais. On va ward, hein. Non mais putain, je lane 1v3 au mid, allez vous faire... Mais genre les gars, enfin, je joue Yone, je décide de jouer mid, il y a un putain de Zilean en face de moi en lane, j'avance une fois et Karim est là, faut arrêter les conneries un peu là. I'm laning 1v3, vas-y je vais faire le cringe kid, c'est fine, c'est fine, je suis bientôt 6. Après voilà, c'est un jeu d'équipe, le Draven est derrière de fou. Oh, les gars, si elle avait touché le truc et que je l'avais raté, eh bien bah j'aurais juste eu le seum en fait. Ça aurait été la goutte d'eau là. Niveau farm, je suis pas trop derrière, ça va, on est level 6, à 6 minutes, ça chill. Ça peut être sur moi mid. J'ai pas utilisé mon E ici. Oh, ça peut être Link le charme. J'ai touché. Mais what the fuck? Elle est Evelynn, n'a pas Link le charme. Ok, elle a tué le blanc, 2 à 6. Let's go. Là, je pouvais pas faire grand chose de plus. Attendez, mais là, vous êtes en train de me dire que je suis... Parce que là, je viens de me rendre compte, je suis lucky dans une VOD. C'est quoi, le Nautilus? Attends, mais les gars, c'est une caméra cachée. J'ai touché mon Q, genre le stun. J'ai calculé avec le triomphe, vous inquiétez pas. Qui a cru que j'allais mourir ici, franchement? Ok, tout va bien. Easy Clapperino. Ah, malheureusement, le blanc avait un stéroïde de vitesse de déplacement. Ah, merde, les gars. Putain, c'est pas de bol, ça, dis donc. Ah, la question, c'est est-ce que je fais zèle ou bot? Je vais quand même faire bot et attaque speed. Non, mais c'est honteux, hein.
Après Stéphane en side, ma team se met giga bien quoi. Et le Draven a littéralement pas de game avec le Zilean qui a lane au mid. Il est encore en mid en plus. Mais les gars, je sais même pas expliquer parce qu'il y a même pas eu de message dans le chat hall. C'est juste genre, c'est de la smurfie quoi. C'est la fausse, vraiment la fausse. Hein. Non mais ça casse les couilles. Bon on va chill hein. C'est gratuit pour ma team hein, si je tiens en 1v2 de toute façon. C'est juste pas très fun comme game. J'ai touché le dernier Q, il a pris cher. Non mais ils vont pas mourir de chaque décal le blanc en plus. Hello. Ouais non je vais rien dire, c'est fine. Genre en fait ils ne comprennent pas que je suis en 1v2 à Zion, donc forcément je ne vais pas décal first. C'est là Leblanc qui va décal et face à Zilean, bah entre ses bombes, ses slow et tout, je peux pas passer devant lui quoi. I'm 1v2 mid, so they have prio by the way. Non mais Lucius n'a pas le droit de me ping. Ah you have to move. But they are 1. Non mais enfin. Ok les gars. Tu sais qu'il fait très très chaud dans ma pièce là. C'est pas facile de tanker hein. Surtout que je rappelle que le Nautilus s'est suicidé sous la tourelle et a donné le kill à Leblanc. Genre, non seulement je line 1v2, non seulement le Nautilus ne match pas Zilean, non seulement il ne met pas carry wave pour que je puisse jouer la game, mais en plus, il s'est suicidé sur tourelle sur mon vis-à-vis. Oui, oui, tout ce que je viens de dire s'est passé dans la game. Oui, oui, là, Leblanc a un blue buff et 3 kills et 7 stacks de Dark Seal. Try not to tilt challenge. Entre parenthèses, 99,9% impossible. Après, tu me diras, c'est pareil pour le Draven. Hein. Le Draven fait face au même challenge. J'ai eu le canon, on va back, plus d'ulti sur Leblanc, Zilean mid. Et les gars, on va prendre un Zeke, petit spike early. En vrai là, faut vraiment que je passe par le Zeke, ça me donne vraiment un coup de boost en early. Et là, bah bon, avec la game qui m'est proposée. Après, en vrai, on a bien tenu, ça va encore. Hein. En side, ils se mettent très bien la team, mais bon. Puis, évidemment, je dois lane contre Leblanc. Il vient de me flash in, mais c'est vraiment très très grave. Tout mid, Zilean no flash. Bon en vrai c'est worse, hein. Il flash, je perds juste mon ulti. J'ai beaucoup de vitesse de déplacement pour les allers-retours à la base, c'est peu pratique. Non en vrai les gars, let's go hein. On est là comme on dit. S'il vous plaît, un kill, un petit sucre, un truc. Ah, ils sont encore deux au mid. Titre de la VOD, je lane mid en 1v2, entre parenthèses, 100% no arnaque. C'est pas en mode 1v2, je me fais camper par le jungle. Non, non, il y a un Zilean en train de lane sur ma lane. Putain, mais il fait tellement chaud, ça me gratte et tout, c'est horrible. Si vous voulez, je vous montre mon thermomètre, il fait 32 degrés dans la pièce. Oh, il y a un exo. Fuck. Après les gars, la Evelynn part prendre le fruit. Genre les gars, genre no joke, j'engage le fight ici, la Evelynn est là. Je me combats pendant 10 secondes. Comment la Evelynn ne peut pas venir? Les gars, genre vraiment, je vais vous poser une question. Essayez de vous mettre à ma place. Comment, avec 32 degrés là dans la pièce, je n'ai pas déjà quitté la partie? Comment? Genre vraiment, dites-moi comment en fait. Genre pourquoi? Pourquoi je suis toujours dans la game? C'est vraiment une très très bonne question. La réponse est très simple. Ça tente pour la vie. Ça tente pour la VOD les gars. Mais là par contre genre la Evelynn qui est là, qui ne vient pas m'aider et qui va taper la plante sachant qu'elle était full life, c'est inexplicable. Genre je vous jure, entre ça et le Nautilus qui s'est suicidé mid, je ne comprends pas. De toute façon vous avez vu la game les gars, hein. Y a juste rien à dire. Hein. Je n'ai juste pas les mots pour cette game. Nice. Plus de flash. C'est good. J'ai perdu mes HP, mais au moins j'avais push la wave avant. En vrai, c'est dommage, il y a juste une mort que j'aurais... En vrai, j'ai fait une bonne game, il y a juste une mort que j'aurais dû éviter. Mais comment quelqu'un peut me regarder droit dans les yeux et me parler cette game? Genre négativement, alors que je joue la partie. Comment? Genre dites-moi comment en fait? Je pose la question vraiment. Genre comment c'est possible? Comment avoir aussi peu d'empathie? Genre comment est-ce possible? On le cache lui, hein. Ah, dommage. Est-ce que je meurs là-dessus? Nope. On a besoin d'Evelynn là, je sais pas où elle est. Ah, sur le gromp. Ok, plus d'ulti Draven. C'est compliqué parce qu'ils ont peut-être ulti Zilean. Oh nice, j'ai réactivé le E pour pas qu'il ait le temps d'utiliser son shield. Mais en vrai, il avait peut-être le temps. Mais bon, c'est passé. Mais comment? Mais comment?
Mais comment? Oh, une assist à 135 gold. Mais c'est incroyable, avec le triomphe, 157 gold, je suis refait. Le pire, c'est que j'ai pas pris second wind pour la lane, j'ai pris conditioning. Si je savais que j'allais lane en 1v2, j'aurais peut-être adapté mes runes. Okay, il me faut mon shieldbow. Les gars, n'hésitez pas à et de me dire dans les commentaires comment ne pas quitter cette partie. Comment ça se fait que je suis toujours connecté à la game? Comment? Ouais, ça va, on est même pas derrière en farm. Après, ça va, heureusement, ma team a gagné en side. Bon, en même temps, c'est normal. C'était en 4v3. J'arrive la teams. Faut claquer les CD en dessous, on va base. Hop. Et bah voilà, tout va bien. Il y a le Herald, j'ai ma TP. Bon là ça va, on est activé dans la game. Le pire c'est que j'ai que des assises dans la partie. Y a rien pour TP, je vais TP sur le creep le plus avancé. C'était un bout trinket ici. Là ça force un peu les fights. Il a vraiment flash comme ça. Non les gars, c'est trop cette game. Il m'a mis très très bien le Zilean. Mais il croyait que j'allais le tuer avec un ulti ou un burst. T'as la 17 stack de Mejai, hein. Ils l'ont vraiment funnel. Hein. Je tiens quand même à rappeler ce qu'a fait la Evelynn quand le Draven m'a tué au bot. Et ce qu'a fait le Nautilus quand il est venu mid. Je tiens quand même à vous rappeler tout ça les gars. Après quand j'ai ulti ici, j'ai un peu flip, la mort c'était mes bad. Mais le reste les gars, je me suis fait prank on CD. Mais je n'ai même pas le droit d'avoir un kill ou une assist. Elle les a one shot 0,1 seconde avant que je les tue, enfin que je les touche. Mais les gars, c'est fine, le but est de gagner la partie. Nous avançons tout droit vers cet objectif. Hashtag optimiste. Oh, Franck. J'ai un peu mal au cou là, je sais pas pourquoi. En même temps, comment ne pas avoir un torticolis après cette game, genre comment? Après, en vrai, je suis content, je vais gagner sur une. En vrai, ce qui me fait chier, c'est que là, on va gagner une VOD enfin, mais que la game se passe comme ça, c'est illégal, genre. J'ai les bandes viseurs, le... Nice. Ah. Après, il meurt le Hecarim là-dessus. Peut-être qu'il peut finir. Ah, il n'y a plus de wave. Mais j'aimerais vraiment savoir pourquoi le Zilean a fait ça. Genre, pourquoi il est venu sur ma lane troller la game. Genre, c'est inexplicable. Ah ouais, on a le Herald, du coup, on va peut-être finir là-dessus, c'est nice. En plus, regardez, le deuxième Herald, il a tellement d'HP. Il a le temps de charger comme ça deux fois, banal. Il a peut-être dansé. Et le raid va long clip, arrête. Ce n'est pas une fin de game. Trop beau pour être vrai. Les gars, regardez, je vais vous montrer la preuve. Hein. Parce que je vous jure qu'entre genre, tu vois, 27-28 degrés, c'est chaud, tu vois. Mais 32. Genre, regardez, je mens pas, les gars. Il fait 32 degrés dans la pièce. Là, vous avez la preuve. 32, c'est pas genre. 32 à l'intérieur, c'est pas genre il fait 30 degrés dehors, tu vois. Avec le vent et tout. Non, non, non. Que l'air ne bouge pas, en fait. Couplé à un laning 1v2, je suis obligé de hurler toute la game. Le Zilean est juif. Je sais pas pourquoi il a dit ça. À sa part de musulmans platine toutes les saisons. Ok. Bah, en vrai, ils ont l'air plutôt chauds. Bah, écoutez, on est dans la fosse, hein. Est-ce que je dois être surpris ou faire semblant d'être surpris Enfin, ce clown m'a blue smite. Il ne m'a même pas tué à l'ulti, genre il a blue smite. Il voulait marquer des points de style. Aïe aïe aïe, sacré game. Bon, le Nexus est assez low. Il y a une ward ou pas? Oh non, elle l'a pris. Pourquoi elle fait ça, genre? Elle va essayer d'ulti. Attends, mais comment elle a fini? Mais il lui restait 100 HP. Ils ne l'ont pas tué. Bon les gars, alors vraiment, je ne sais pas quoi dire sur cette game. J'espère que ça vous aura mis bien. Moi les gars, ça m'a mis plutôt bien. Je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD. C'était le try not to hurler toute la game challenge. Vous ne pouvez pas m'en vouloir, vous n'avez pas le droit de m'en vouloir les gars. Parce que bah, vous avez vu si vous avez vu la game. Allez les gars, je vous dis à bientôt en stream. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer, ça ferait plaisir. Un petit live multigaming, on se régalouse. Et sinon, bah dans la prochaine VOD. En espérant avoir une vraie mid lane et ne pas être 1v2 au mid. Bisous la team, à la prochaine. Ciao.